السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي بكت من خشيته العيون وسجد له المصلون وسبح بحمده الأولون والآخرون. الحمد لله النافذ أمره الدائم بره الشديد بطشه وقهره الواجب حمده وشكره لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضره فتبارك اسمه وجل ذكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه من إله غفور رحيم جل وعلا يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، يسرني ويطيب لي أن أحضر معكم في هذا المسجد المبارك، وتعمرني السعادة بلقياكم وبمقابلتي لكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل زيارتنا هذه لكم ابتغاء لوجهه الكريم ولفضله الجسيم ولأجره العظيم. وأسأله سبحانه كما جمعنا في بيت من بيوته في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة تحت لواء سيد المرسلين وفي الجنة في أعلى عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes frères, je suis heureux de me trouver parmi vous ici dans cette mosquée. Et la joie et le bonheur est à son comble lorsque j'ai ce privilège de me retrouver face à vous. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse que cette visite que nous vous faisons ait été faite dans la recherche de sa satisfaction et de sa récompense. Et je lui demande aussi, comme il nous a réunis aujourd'hui dans une de ses demeures, sous son obéissance, à ce qu'il nous réunisse dans l'au-delà, sous l'étendard du plus noble des messagers, alayhi salatu wassalam, et au paradis dans le plus haut des degrés. Mes frères, ikhwani, ashkurukum ala hudurikum wa ashkurukum على حسن ظنكم بي وبإخواني. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا خيرا مما تظنون. Je vous remercie pour votre présence, pour votre déplacement et aussi pour la bonne opinion que vous avez de moi et de mes frères. Et je demande à Allah عز وجل qu'il fasse que l'on soit meilleur que ce que les gens puissent penser de nous. Et aussi, qu'ils nous pardonnent ce qu'ils ignorent de nous. Et
n'oublions pas que le sujet principal qui va être traité durant ces quelques cours dans cette mosquée bénie concerne le meilleur des êtres humains qui est foulé cette terre, le meilleur des êtres humains qui fut recouvert par le ciel, Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et il est d'une importance capitale pour le musulman de connaître son prophète et messager. Les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum ont eu un privilège qui n'a pas été offert à autre qu'eux. Ils ont vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils étaient présents lorsque la révélation descendait sur lui. Et les livres d'histoire ont enregistré l'amour particulier qu'ils avaient pour lui. Alayhi salatu wassalam. Jamais personne n'a aimé quelqu'un comme les compagnons de Muhammad ont aimé Muhammad. Alayhi salatu wassalam. Et personne ici ignore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kama fi sahih al-Bukhari min hadithi Anas. Quand a dit alayhi salatu wassalam: Nul d'entre vous ne croira réellement, véritablement, tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses parents, que son père, son géniteur, son enfant et tout le monde. Les sahaba radiallahu anhum ont prouvé la complémentarité de leur foi à travers l'amour qu'ils avaient envers le prophète alayhi salatu wassalam. Notamment par ce privilège qui était le leur d'être aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam et de voir comment le prophète alayhi salatu wassalam se comportait avec les autres, de voir les caractères de ce noble prophète alayhi salatu wassalam, ses réactions, ses décisions, ses émotions. Ils étaient là, aux premières loges, au premier rang. Comment ne pas aimer un homme comme Muhammad alayhi salatu wassalam lorsqu'on est à côté de lui? Nous n'avons pas eu ce privilège. Nous en avons été privés. Et Allah Ta'ala sait mieux qui mérite ce genre de privilège. L'il-fa'ida. Abdurrahman ibn Nufayr ibn Jubayr rapporte d'après son père. Wal hadith est chez l'imam Ahmad et Ibn Hibban. Il nous dit qu'on s'est assis avec Al-Miqdad ibn al-Aswad, qui était un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'un homme passa près de nous, il vit Al-Miqdad, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors il alla lui dire: Touba li hatayn al-aynayn allatayn ra'ata Rasulallah. Wallahi, la wadidna annana ra'ayna ma ra'ayt, wa shahidna ma shahidt. Il lui a dit: quel privilège ont ces deux yeux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, on aurait tant aimé voir ce que tu as vu et assister à ce à quoi tu as assisté. Qui parmi nous ne s'est jamais dit cela? Tout le monde se dit ça. Et c'est normal pour quelqu'un qui aime le prophète alayhi salatu wa sallam. Comment est-ce que le Miqdad, ala sahabi ul jalil radiallahu anhu, a réagi en entendant cela? Il s'est énervé. Il s'est mis en colère. Et Nufayr ibn Jubayr, il s'étonne. Il se dit: Subhanallah, ma qala hadha ar-rajulu illa khayra. C'est étrange. Cet homme n'a dit que du bien. Pourquoi est-ce que le Miqdad alors se met en colère? Il lui dit alors: qu'avez-vous à espérer assister à une situation dans laquelle Allah a voulu que vous soyez absent? Et vous ne sauriez pas comment est-ce que vous auriez réagi si vous étiez présent? Par Allah, il y a des gens qui étaient présents avec le prophète, alayhi salatu wassalam,
Allah les a fait plonger en enfer sur leur visage. L'Abu Lahab, l'Abu Jahl, l'Abu Hisham, les Utbah ibn Rabi'a, les Shaybah ibn Rabi'a et les autres. Le Walid ibn Mughira et les autres, ils ont vu le prophète ou pas? Ils l'ont vu, alayhi salatu wassalam. Ils le connaissaient ou ne le connaissaient pas? Ils le connaissaient, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'ils ont cru en lui? Non. Après, il dit, al-Miqdad, il dit, awala tahmadouna rabbakum. Allez-vous enfin remercier votre Seigneur? Iz akhrajakum la ta'rifouna illa rabbakum. Musaddiqina binabiyikum. قَدْ كُفِيتُمُ الْبَلَاءَ بِغَيْرِكُمْ. Allez-vous enfin remercier votre Seigneur d'avoir existé et de ne connaître que votre Seigneur, d'avoir cru en votre prophète et que le fardeau de l'épreuve ait été porté par d'autres que vous. Vous tous, vous connaissez les situations par lesquelles les compagnons radiallahu anhum sont passés. Situations très dures, très difficiles. À titre d'exemple, ils ne trouvaient rien d'autre à manger, si ce n'était le noyau d'une date, qu'ils suçaient chacun à leur tour et qu'ils se partageaient. Et lorsque la faim était très forte, ils cherchaient une pierre plate qu'ils serraient à leur ventre. À un point où une fois Abu Huraira radiallahu anhu se roulait par terre comme un fou, tellement il avait faim. Et Anas, il nous dit, radiallahu anhu, pendant de longues journées et de longues nuits, le feu n'était pas allumé chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Il mangeait rien de chaud. Alors on lui disait, mais qu'est-ce qu'il mangeait alors? Il a dit, al-aswadayn, al-ma wa tamr. De l'eau et des dattes. Ça, c'est l'épreuve corporelle dans la famine. Ne parlons même pas de tout ce qui est torture physique. Al-muhim. Cette épreuve, ce fardeau, il a été porté par les sahaba radiyallahu anhum. Wa ni'ma man tahammala hada. Et quel meilleur porteur, car ils ont su le porter bihaq. Qu'est-ce que toi t'aurais fait? Est-ce que tu penses que t'aurais eu les épaules pour porter ce que Bilal il a porté radiyallahu anhu dans le désert, au moment où le soleil était le plus fort? Est-ce que tu penses que t'aurais eu les épaules de Ammar et Soumaïa lorsqu'on leur pointe une lance devant eux, en leur demandant de renoncer à leur foi? Est-ce que tu penses que tu aurais eu les épaules de Khoubaïb, qu'on a ligoté sur une table, et qu'on s'apprêtait à le couper en morceaux, et à qui on demandait d'insulter le prophète? À qui on demandait, est-ce que tu aimerais que le prophète soit à ta place maintenant, et que toi tu sois tranquille? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, je n'aimerais pas être tranquille. Et le prophète, il est piqué par une aiguille. Il est piqué par une épine. Comment est-ce que tu peux me demander alors? Est-ce que j'aimerais que le prophète soit en place? Tu aurais eu les épaules pour dire des phrases comme ça, toi? Mais ces épaules-là, cet amour-là, cette force dans leur foi, elle était alimentée par l'amour qu'ils avaient envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme toi, tu n'as pas cette opportunité, ce privilège de voir le prophète alayhi salatu wassalam, alors retourne aux ouvrages qui te décrivent comment le prophète était alayhi salatu wassalam, et tu verras à quel point tu l'aimeras par la suite. Comme Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, ma kana ya'rifu makanan siwa baytihi wal masjid, fa kana la yakhruju min baytihi illa ila al masjid wa la yakhruju min al masjid illa ila baytihi. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ne connaissait pas d'autre endroit en dehors de la mosquée et chez lui. Il ne quittait sa demeure que pour se rendre à la mosquée et ne quittait la mosquée que pour se rendre chez lui. Les gens lui ont dit, ala afala tamallu bimufradika fi hadha al-makan. Est-ce que tu ne te lasses pas à être seul dans ta maison? Il dit, comment est-ce que je pourrais me lasser alors que chez moi j'ai le prophète et ses compagnons? Est-ce qu'il les avait pas? Mais il avait des ouvrages avec des hadiths qui parlent d'eux. C'est comme si tu les avais chez toi. Maintenant, est-ce que toi, tu prends cette peine d'ouvrir ce livre dans lequel la vie du prophète est décrite? Est-ce que tu prends cette peine de t'asseoir avec les gens qui parlent du prophète, alayhi salatu wassalam, kay tazdada mahabbatuka lah, afin que ton amour envers lui augmente et augmente? Et parmi les points qui font grandir l'amour du musulman envers son prophète, alayhi salatu wassalam, c'est de voir ses nobles caractères.
Et vous aurez le droit, inshallah, avec un des frères prévus dans ce séminaire, à un cours sur les comportements du prophète, alayhi salatu wassalam. Moi, j'ai voulu vous faire part d'un point en particulier. C'est la miséricorde que le prophète avait, alayhi salatu wassalam. Pourquoi ? On vit une époque où on a ce qu'on appelle al-mustashriqin, ces orientalistes, ces occidentaux qui prétendent connaître mieux que nous notre histoire. Ces occidentaux qui prétendent avoir épluché les ouvrages et avoir étudié la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui se permettent d'apporter leurs opinions, leurs avis sur le prophète, alayhi salatu wassalam. On entend de tout. Et en général, on entend quoi ? Un tyran belliqueux qui ne pensait qu'à faire couler le sang. C'est comme ça que les gens qui ont le cœur et les yeux aveugles décrivent la meilleure des créatures. Alors qu'Allah dans le Coran dit de lui « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde envers l'univers, envers les mondes. Tout le monde. Il y a énormément d'épisodes dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam qui nous montrent à quel point cet homme particulier était doué d'une miséricorde particulière. Que ce soit envers ses frères parmi les croyants, envers les animaux, envers même des choses inertes, et pour couronner le tout, envers même les mécréants. Et sache que tu ne suivras pas réellement et complètement le prophète alayhi salatu wassalam que lorsque tu auras fait preuve de miséricorde au même groupe qui ont eu la miséricorde du prophète alayhi salatu wassalam. C'est vrai que dans certains textes, Allah dans le Coran nous dit, en parlant du prophète et des musulmans, Muhammadur Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Allah il a dit, subhanahu wa ta'ala, Muhammad, le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui, ils sont durs envers les mécréants et miséricordieux les uns envers les autres. C'est vrai que ce verset existe dans le Coran, tout comme d'autres de ce type-là, comme le verset où Allah dit, Ya ayyuha an-nabi yujahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alayhim. Ô toi prophète, combat les hypocrites et les mécréants et sois dur envers eux. Ou encore un verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit: Ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Ô vous qui avez cru, celui d'entre vous qui se détourne de sa religion, alors nous ferons venir à sa place un peuple, un groupe qui aime Allah et qui sont aimés par Allah. Ils sont humbles envers les croyants et fiers envers les mécréants. Mais est-ce que tu crois que cette dureté à laquelle on fait référence dans ces textes indique de la justice, indique ce que l'on peut voir malheureusement ici et là chez certains musulmans à l'égard des mécréants? Non. Et comment est-ce qu'on peut le savoir? Dans le Coran et dans la Sunna, et prends ça comme règle, il n'y a jamais de contradiction entre les textes du Coran et de la Sunna. Allah dit dans le Coran, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et s'ils venaient d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé énormément d'incohérences. Allah dit dans le Coran, لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Allah ne vous interdit pas concernant ceux qui ne vous ont pas combattu pour votre religion ou bien chassé de vos demeures d'être bon envers eux et juste. Et certes, Allah aime ceux qui sont justes. Et Allah dit dans le Coran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Et que la haine que vous avez envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, ceci est plus proche de la piété. Soyez juste, ceci est plus proche de la piété. Et celui qui lit les textes de la Sunna et les réactions du prophète alayhi salatu wassalam avec les mécréants voit qu'il avait de la miséricorde envers eux. Et qui est le meilleur de ceux qui ont appliqué le Coran si ce n'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc la dureté s'emploie dans certains contextes et la douceur s'emploie dans d'autres. Et le aqil, al-hasif, al-hakim, le raisonnable,
Le perspicace, le sage, c'est celui qui sait employer la douceur quand il le faut et la dureté quand il le faut. Quant à celui qui emploie la dureté dans un contexte qui ne lui convient pas, ou la douceur dans un contexte qui ne lui convient pas, il a montré qu'il n'avait pas de sagesse. حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ لَا تَكُنْ رَتْبًا فَتُعْصَرْ وَلَا يَابِسًا فَتُكْسَرْ. Ne sois pas trop mou, on t'essorera, ni trop dur, on te cassera. Et Allah dans le Coran a, dans de nombreux versets, éduqué son prophète et messager alayhi salat wa salam dans le comportement à avoir avec les autres. Il a dit: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Et ne débattez pas avec les livres, pardon, avec les gens du livre, si ce n'est de la meilleure façon. Si ce n'est de la meilleure façon, sauf ceux qui parmi eux sont injustes. Et Allah a dit dans le Coran: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre humblement, modestement. Et lorsqu'ils sont, entre guillemets, agressés verbalement par les ignorants, ils disent paix. Ils disent paix. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi ses nombreuses qualités, il était halim, il était doux. Et cette traduction ne donne pas réellement à ce mot sa juste valeur. Car al-halim, c'est celui qui sait être doux quand il le faut et dur quand il le faut. C'est ça, techniquement, le vrai sens. Il y avait un rabbin chez les juifs de Médine qui s'appelait Zayd ibn Dathana. Il nous dit avoir reconnu chez le prophète alayhi salat wa salam tous les signes de la prophétie sauf deux. Sauf deux. Que lorsqu'on s'énerve avec lui, contre lui, pardon, il répond par la douceur. Hada awalan. Et le deuxième, plus on s'énerve avec lui, et plus il est doux avec toi. Car comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala a donné des signes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les anciens écrits. Fi al-kutub al-munazzala. Il y a même certains contemporains qui ont trouvé des signes de ce genre dans le livre des hindous. Le livre de Brahma. Dans un livre des hindous, hein, des plus grands mouchriquins sur cette terre peut-être, qui, qu'on ne faut pas confondre les indiens et les hindous. Les indiens, ce sont ceux qui vivent en Inde, et les hindous, ce sont ceux qui suivent l'hindouisme, une religion. Je vous dis ça parce que moi aussi, il n'y a pas longtemps, je faisais encore cette erreur. Peut-être que parmi vous, il y en a qui la font. Al-Muhim, donc les hindous, ceux qui suivent l'hindouisme, ont un livre. Son nom m'est sorti de l'esprit. Dans ce livre-là, il y a des signes qui décrivent un prophète que les hindous attendent. Parmi ces signes-là, c'est qu'il sera au milieu du désert, dans une ville jonchée de palmiers. Quand tu regardes le contexte géographique de l'Inde, c'est pas du tout ça. D'accord ? C'est pas le désert, c'est pas les palmiers, c'est pas les chameaux. Et il y a d'autres signes qui indiquent bien que ce prophète attendu est Muhammad alayhi as-salatu wassalam. Après ça relance un débat, parce qu'il y a certains savants contemporains aussi qui ont prétendu que Bouddha était un prophète du même titre que Isa, dont les paroles ont été modifiées. Est-ce vrai, est-ce faux? Al-ilmu indallah. Quoi qu'il en soit, dans la Torah, dans l'Injil, dans Zabur et d'autres, on a des signes qui décrivent ce prophète tant attendu alayhi salatu wassalam. D'ailleurs Allah l'a dit dans le Coran en parlant de Ahlul Kitab et du prophète alayhi salatu wassalam: alladhina ya'rifun alladhina atainahum al-kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ceux à qui on a donné le livre, donc les Yahoud et les Nasara, ya'rifunahu ay ya'rifuna hadha an-nabi, reconnaissent ce prophète comme ils reconnaissent leurs propres enfants.
Lorsque le prophète il arrive à Médine, alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, il y avait des tribus juives qui vivaient à Médine. Et parmi ces tribus-là, il y a certains des chefs de ces tribus qui sont sortis voir, accueillir ce prophète qui vient d'arriver à Médine, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'ils le virent de leurs yeux, ils reconnurent que c'était lui, ce fameux prophète qui leur a été annoncé dans la Torah. Et parmi ces gens-là, il y avait le père de Safiya, Huyay, qui était le chef de la tribu de Banu Qurayza. Il est parti avec son frère voir Muhammad ibn Abdillah. Le soir, quand il rentre chez eux, il s'assoit le regard vide et ils n'ont pas un mot qui sort de leur bouche. Ils sont pensifs. Alors Huyay dit à son frère, qu'est-ce que t'en penses toi? Et son frère il lui répond, et toi, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, ma ra'aytu illahu. Il a dit, je n'ai vu que lui, c'est-à-dire ce fameux prophète. Il a reconnu l'avoir reconnu. Alors son frère lui dit, qu'est-ce que tu comptes faire alors? Il lui a dit, al-adawatu wal-barda ma dumna ahya'a. Il lui a dit, l'animosité et la haine tant qu'on est vivant. Al-hasad wal-kibr, l'envie et la jalousie et l'orgueil de suivre un arabe les a empêchés de se soumettre à la vérité. On revient à Zayd ibn Dathana. Il nous dit, il a reconnu tous les signes de la prophétie chez le prophète Mohammed, sauf ces deux signes-là qui sont liés. La douceur lorsqu'on fait preuve de colère à son égard, et plus on est colérique avec lui, et plus lui il est doux. Et il attendait, Zayd ibn Dathana attendait l'occasion dans laquelle il pourrait voir si ces signes sont présents chez ce prophète, alayhi salatu wassalam. Un jour, un homme vient à Médine. Après la prière, alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, était avec les compagnons, radiyallahu anhum, il vient lui dire, يا رسول الله إن قومي دخلوا في الإسلام طمعا وقد مستهم مجاعة فأخشى أن يخرجوا منه طمعا كما دخلوه طمعا. Il a dit, oh messager d'Allah, mon peuple est rentré dans l'islam par, comment dirais-je, par intérêt, c'est-à-dire on leur a dit, إن محمدا يعطي عطاء من لم يخشى الفقر. محمد donne, fait des dons de celui qui ne craint pas la pauvreté. Alors les Arabes entendent qu'une personne pareille existe, ils rentrent dans l'islam. Et est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam disait aux gens, non, votre niya n'est pas bonne, vous ne rentrez pas dans l'islam? Non, l'acceptait tout le monde. Et même si l'intention au départ elle est mauvaise, وما يدريك فعلى الله يصفيها بعد ذلك. Peut-être qu'Allah la purifiera par la suite. Vous avez remarqué, des fois, on a des gens qui, que ce soit des hommes ou des femmes, qui se convertissent à l'islam, c'est souvent des hommes en général, qui se convertissent à l'islam dans le but d'épouser une musulmane. Parce qu'ils savent très bien que s'ils ne se convertissent pas à l'islam, leurs parents ne les marieront pas à ces personnes-là, à eux. Alors il rentre dans l'islam et il se marie avec cette musulmane. Et les gens ils disent, t'as vu lui? Il s'est converti que pour se marier. Et les gens ils le dénigrent. Il y en a même qui vont dire c'est un hypocrite. Même pire, des fois vont dire c'est pas un vrai musulman. Et on a déjà entendu ces choses-là. Mais sache qu'on a vu, et je pense que vous aussi avez vu des gens qui sont rentrés dans l'islam comme ça. Et petit à petit, ils font la prière régulièrement. Et petit à petit, ils vont à la mosquée. Et petit à petit, leur barbe pousse. Petit à petit, leurs vêtements changent, et petit à petit, ils sont des musulmans comme toi, tu ne vois aucune différence entre eux et toi. Donc, أنت لا تنظر في نيات الناس هذا, أنت لست مكلفا بأن تنظر في هذا. Toi, tu ne dois pas regarder les intentions des gens, tu n'as pas été chargé de regarder ce qu'il y a dans les poitrines des gens. C'est Allah Ta'ala qui s'occupe de ça. Tant qu'il est musulman, هذا هو الأهم. هذا هو الأهم, c'est ceci qui compte, c'est ceci qui est important. Donc, l'homme, il vient, il dit, mon peuple est rentré dans l'islam par intérêt. Ils ont su que les musulmans, ils s'occupent des musulmans. Ils ont su que les musulmans, ils laissent pas leurs frères mourir de faim. Ils ont su que les musulmans, ils viennent au secours de ceux qui sont dans la détresse.
Alors, ils ont dû rentrer dans cette religion. Et aujourd'hui, ils sont touchés par une famine, par une faim atroce. Et je crains qu'ils sortent de l'islam par intérêt pour autre chose, comme ils sont rentrés dans l'islam par intérêt pour autre chose. Ça aurait été nous aujourd'hui, on nous dirait ça. Eh ben, qu'ils sortent de l'islam. On n'aurait pas dit un truc comme ça? Parce que malheureusement, les cœurs, ils ont plus la même nature que ceux qu'il y avait avant. Malheureusement, le nafsi, il est venu un peu plus tôt pour nous. Chacun pour sa peau, comme on dirait. Le prophète, il entend ça, alayhi salatu wassalam. Il est soucieux, inquiet, anxieux. Comment je vais faire? Il n'avait pas d'argent. Il demande au compagnon, radiallahu anhum, qui a de quoi donner à ces gens pour qu'on les garde dans l'islam? Pour qu'on les garde dans l'islam? Et personne n'avait de quoi donner. Les sahabas étaient pauvres, vous le savez. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son anxiété et son inquiétude ne cessent de croître et de grandir. Et Zayd ibn Dathana, il était propriétaire d'une palmeraie. Il avait énormément de dattes. Il a dit, ah, Mohammed, je te prête telle quantité de dattes, il a ajalin musamma, à un terme fixé. Quand tu seras dans l'aisance, tu me rembourseras lorsque cette échéance arrivera. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالنور فرحا. Le visage du prophète عليه الصلاة والسلام, en entendant cela, resplendissait de lumière tellement il était joyeux. Alors il a pris sans réfléchir ses dates. Est-ce qu'il les a pris pour lui? Est-ce qu'il les a gardées? Non. Il a dit خذها وأطعم بها قومك. Il a dit prends-les, il a dit ça à l'homme qui est venu. Prends-les et va nourrir avec ton peuple. Et là, ouf. Un souci s'en est allé. Il s'est endetté pour que des frères à lui restent dans l'islam. C'est l'histoire, elle n'est pas finie. Le temps, il passe. Et vous savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, était un homme qui était constamment dans sa fonction de prophète, dans sa fonction d'éducateur, dans sa fonction de père, dans sa fonction de mari, dans sa fonction de frère, j'en passais d'autres. Et avec toutes ces fonctions différentes, il arrive que on oublie certaines choses. Et lorsque l'échéance arriva, donc le remboursement de la dette en question, Zayd ibn Dathana, il rentre dans la mosquée. C'est un juif. Et il trouve le prophète, alayhi salatu wassalam, assis avec ses compagnons. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Il est debout. Et son visage est renfrogné. Il attrape le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par le col. Et il le lève. Imagine. Il est debout. Il attrape le prophète par le col et il le lève. Et il le secoue. Il a dit, ma alimnakum ya bani Hashim. On ne vous connaît que, ô bani Hashim, comme étant des gens qui ne respectent pas leurs paroles et leurs engagements. Il rentre dans sa mosquée, au milieu de ses compagnons, il le malmène, et en plus de ça, il l'insulte. Omar, radiallahu anhu, présent, ses yeux tournent. Quoi? Il se lève, et attrape Zayd ibn Dathana, lui aussi, il le fait passer, entre guillemets, un sale moment. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui fait, qif ya Omar. Qif ya Omar, arrête-toi, Omar. إنما كان عليك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. Tu aurais dû l'inciter lorsqu'il demande à demander convenablement et m'inciter moi à rendre en temps et en heure. طيب. Zayd ibn Dathana, il voit, ah, elle est là la douceur que je cherchais. Malgré l'agression que je viens de commettre. Après, le prophète dit à Omar, viens, va dans Bayt al-Mal, ce fameux endroit dans lequel les sadaqat étaient réunis, et rends-lui sa part, et rajoute-lui un peu. Et rajoute-lui un peu. Donc Omar, il va voir Zayd, il dit, suis-moi. Zayd, il le suit. Et il n'a pas entendu ce que le prophète a dit à Omar. Lorsqu'ils arrivent dans le stock, et qu'il lui rend la quantité de dattes, alayka salam wa rahmatullah, il
se rend compte qu'il y a plus que ce qu'il a donné lui, ce qu'il a prêté lui. Alors il dit, Ya Omar, il y a plus que ce que je vous ai donné. Alors, Omar lui dit, je sais, le prophète m'a ordonné de te rajouter pour la peur que je t'ai infligée. Quand Omar l'a attrapé, Zayd, je ne sais pas si tu imagines Omar à peu près comment c'est. Imagine pas. Il a attrapé Zayd, il l'a secoué. Zayd, il a eu peur. Donc pour cette peur que je t'ai infligée, le prophète m'a demandé de te rajouter. Il a dit, elle est là la deuxième. Moi, je suis mauvais envers lui. Et lui, quoi? Il me rajoute du bien. Alors, Zayd, il lui dit, Ya Omar, je suis un rabbin parmi les juifs, un savant. Il n'y a pas un signe de la prophétie que je n'ai pas vu chez votre prophète, sauf ces deux-là. Et je viens de les voir aujourd'hui, et je t'annonce que j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré qu'Allah, et que Mohammed est son messager. Allez, salat wa salam. Qu'est-ce qui a été le fruit de cette conversion? La miséricorde du prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme je vous le disais, même avec ses ennemis, il est miséricordieux. La miséricorde envers ses frères, j'allais dire, c'est normal. Mais, avec ses ennemis, ça par contre, c'est une chose qu'on ne trouve pas chez les tyrans qui ont rempli les livres d'histoire. T'as déjà entendu, toi, un des tyrans qu'on a connu dans l'histoire? Et ils sont nombreux, de Pharaon à Gengis Khan, ou encore dernièrement Hitler et les autres, faire preuve de miséricorde devant les autres. Une fois le prophète, alayhi salatu wassalam, était dans une assemblée, et ses deux petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein, rentrent. Alors il les attrape et il les embrasse. Il y avait un homme présent, il lui dit, Inna ladayya ashran min al-atfal lam uqabbil ahadan minhum. J'ai 10 enfants, j'en ai jamais embrassé un seul. Alors le prophète lui répond, alayhi salatu wassalam, Wa madha af'alu, idha nuzi'ati ar-rahmatu min qulubikum. Ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fil sama'. Et qu'est-ce que je vais faire si la miséricorde a été enlevée de vos cœurs? Je peux rien faire pour vous. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Celui qui est dans le ciel vous fera miséricorde. Une autre fois, et comme vous le savez tous, le prophète alayhi salatu wassalam, il a eu 3 garçons et 4 filles. Et tous ses enfants sont morts de son vivant, sauf une, Fatima, qui est morte 6 mois après lui. Son dernier garçon se prénommait Ibrahim. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, éprouva, j'ai du mal avec la conjugaison, al-muhim, il éprouve, hein, il ressentit énormément de joie à sa naissance. Il est sorti avec lui en le montrant aux autres. Il m'est venu au monde cette nuit un garçon, je l'ai appelé Ibrahim, comme son grand-père. 18 mois plus tard, ce petit garçon, cet enfant, rend ses derniers souffles. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, le voit dans cet état en train d'agoniser. Je ne sais pas si tu as déjà vu un être humain en train de mourir. Quelqu'un de ton âge, quelqu'un de plus vieux que toi. C'est quelque chose de très poignant. Mais est-ce que tu as déjà vu un bébé mourir? Tous ceux qui ont des enfants ici, des petits frères, des petites sœurs, de cet âge-là. Des enfants dans lesquels la vie regorge et resplendit. Tu t'es déjà imaginé, toi, de le voir inerte, sans aucun mouvement?
Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu la chair de sa chair et la prunelle de ses yeux mourir devant lui alors qu'il n'avait que 18 mois. Et sache, ya akhil karim, ya ukhtil karima, que quelle que soit l'épreuve que tu puisses traverser, que ce soit la pauvreté, que ce soit la faim, que ce soit la maladie, que ce soit la guerre, que ce soit la mort, quelle que soit l'épreuve que tu puisses traverser aujourd'hui, sache que la créature qu'Allah Ta'ala aime le plus pour cette création les a connues avant toi. Pour que tu aies toujours un exemple dans le prophète alayhi salatu wassalam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il y a pour vous dans le messager d'Allah un excellent exemple, un merveilleux modèle pour celui qui croit en Allah et au jour dernier et qui évoque beaucoup Allah. Ô toi dont les parents sont morts et dont tu as extrêmement souffert lorsque tu les as perdus, sache que le prophète alayhi salatu wassalam est né et son père était déjà mort. Et que sa mère est morte alors qu'il n'avait que 5 ou 6 ans. Il fut alors récupéré par son grand-père qui mourut quelques années plus tard. Il fut alors récupéré par son oncle qui mourut aussi. Cette fameuse année qu'on a appelée Am, Al-Huzn. Et toi qui as perdu des enfants, ta femme elle a fait une fausse couche, ou encore il est mort-né, ou encore il est mort après être né. Eh bien sache que le prophète alayhi salatu wassalam a perdu tous ses enfants de son vivant, sauf une. Tu es pauvre, tu ne satisfais pas ta faim tous les jours. Eh bien une fois, Abu Bakr radiallahu anhu, il marche dans la rue. C'était Omar. Et il rencontre Abu Bakr. Et il lui dit, qu'est-ce qui t'a fait sortir, oh Omar? Il lui dit quoi? La faim. T'es déjà sorti de chez toi parce qu'il n'y avait rien à manger et tu cherchais à manger dehors. Toi, t'es du genre à ouvrir le frigo ou bien le placard et à ne pas être satisfait parce que tu trouves et à aller manger dehors dans un restaurant. Eux, ils ne sortaient parce qu'ils trouvaient rien à manger chez eux. Donc Omar dit à Abu Bakr dit à Omar, qu'est-ce qui te fait sortir à cette heure-ci? Il lui dit, le jour, la faim. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il lui répond? Wallahi, moi aussi c'est la faim qui m'a fait sortir. Alors ils marchent ensemble, en espérant tomber chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et une aumône lui a, enfin, un plat lui a été offert. Et ils tombent sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il leur dit, mais qu'est-ce qui vous fait sortir dehors? Ils lui répondent, la faim, ya Rasulallah. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Moi aussi. Moi aussi. T'es éprouvé par la maladie? Le prophète, alayhi salatu wassalam, et ça on le verra, inshallah, dans le dars de demain, plus précisément, avant de mourir, a énormément souffert. Et lorsque Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, est rentré le visiter, il l'a vu souffrir énormément. Il lui a dit, ya Rasulallah, innaka latu'aku wa'kan shadida. Tu souffres énormément. Quand j'ai répondu, na'am, u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Je souffre comme souffrent chez vous deux hommes. T'as été éprouvé par la guerre. Retourne à la bataille de Uhud. Et regarde comment le prophète, alayhi salatu wassalam, a été malmené. Il fut blessé. Il a failli être tué. Et les épreuves sont nombreuses. Et tu auras toujours un exemple chez le prophète, alayhi salatu wassalam. On revient à l'histoire. Et là, son fils, en train d'agoniser, de rendre ses derniers soupirs. Et alors, il se met à pleurer. Ils disent, un tyran, ils disent, quelqu'un qui veut faire couler le sang. J'ai jamais vu, moi encore, Adolf Hitler, ou encore Lénine, ou encore Mussolini, ou encore les autres, en public comme ça, faire preuve de compassion et de miséricorde. Et qui nous en ramène un?
devant ses compagnons radiallahu anhum, mais c'est lui, qaiduhum, leur chef, c'est lui qui les éduque et leur enseigne toutes choses. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. Il leur enseigne le livre et la sagesse, la sunna, comme قال الشافعي. Et il les purifie. Il voit son fils en train de rendre son âme à son créateur. Et ses larmes coulent de ses yeux purs. Alayhi salatu wassalam. Alors Abdurrahman ibn Awf radiallahu anhu lui dit: Aminka ya Rasulallah? De toi? Des larmes? Parce que quelqu'un meurt? Qu'est-ce qu'il lui a répondu alayhi salatu wassalam? Innaha buka ou innaha rahma. C'est une miséricorde. C'est une miséricorde. وَمَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a vu le cadavre de son oncle Hamza radiallahu anhu après la bataille de Uhud, un cadavre qui a été mutilé par Hind bint Utba, l'épouse d'Abu Sufyan ibn Harb radiallahu anhum ajma'in, l'annahum aslamu ba'da dhalik, fahum min as-sahabati al-kiram radiallahu anhum. والإسلام يجب ما قبله. Abu Sufyan et Hind, son épouse, se sont convertis à l'islam. Ils sont donc des compagnons car ils ont vu le prophète alayhi salatu wassalam et sont morts musulmans. Et sachez que l'islam efface tout ce qui a été fait auparavant. On n'a pas le droit de détester Hind et Abu Sufyan car ils sont des musulmans et sont morts musulmans. Et comme vous le savez, pendant la bataille de Badr, Hamza a combattu le père et le frère de Hind et les a tués. Hind alors a juré de se venger. Et lorsque Hamza mourut, elle a mutilé son corps. Elle lui a ouvert le ventre et lui a mangé son foie. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a vu le corps de son oncle, Hamza ibn Abdul Muttalib, Sayyad al-Usud, le chasseur de lions comme il était appelé, il a pleuré. Il dit: comment est-ce qu'on peut faire cela? Le Nabi alayhi salatu wassalam a fait preuve de miséricorde même à ceux qui ont essayé de le tuer. Après une bataille, je pense que c'est celle de Khaybar, mais j'ai un doute, le prophète alayhi salatu wassalam s'est retiré, s'est éloigné un peu de l'armée des musulmans. Il s'est trouvé un arbre dont il profitait de l'ombre. Et il s'est assoupi sous l'ombre de cet arbre. Un associateur qui était caché non loin de là en profite pour s'approcher du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam a laissé son arme posée près de lui. L'homme arrive discrètement, doucement, et se saisit de l'arme du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam est donc réveillé par le bruit et se lève. Et il a face à lui un de ses ennemis qui pointe vers lui son épée. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sont à l'écart et ne savent pas ce qu'il se passe. Alors l'homme dit au prophète alayhi salatu wassalam: Man yahmika minni? Qui va te protéger de moi? Alors le prophète lui répond alayhi salatu wassalam: Allah. Et subhanallah, c'est vrai que Allah dans le Coran nous dit: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser, par khashi'an, se recueillir, mutasaddi'an, s'affaisser par la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et même les kuffars de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, la parole d'Allah avait sur eux un effet sans pareil. Jubayr ibn Mut'im radiallahu anhu nous raconte qu'une fois, alors qu'il n'était pas encore musulman, il était dans l'enceinte
de la mosquée, de la Kaaba, de la mosquée sacrée à la Mecque, pendant la nuit. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, priait, seul, et récitait surat At-Tur, dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala dit, « Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun » Est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien? Ou bien sont-ils eux les créateurs? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun? Est-ce qu'ils ont créé les cieux et la terre? Non, ils ne sont pas sûrs. Et quelques versets par la suite. Joubaïd, il est là, il tend l'oreille, il écoute. Qu'est-ce qu'il dit? Kada qalbi an yatir. كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. Presque mon cœur il allait s'envoler de ma poitrine en entendant ces versets. Et c'est la première fois que la foi s'est installée dans mon cœur. Donc l'associateur qui pointe de son épée le prophète عليه الصلاة والسلام, il entend Allah et il est troublé et il lâche l'épée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, bondit sur l'épée et la prend. Et à son tour, pointe l'associateur. Et il lui dit, et toi maintenant, qui va te protéger de moi? Alors l'homme, il essaye de l'amadouer. Il lui dit, non, tu es quelqu'un de noble, tu ne t'abaisseras pas à cela. Alors le prophète, il lui expose l'islam. Il dit, convertis-toi à l'islam. Et tu seras en sécurité. Et l'homme, regarde. Il a une épée sous la gorge. Personne pour le protéger. Rien. On lui dit, convertis-toi à l'islam et je te laisse tranquille. Donc, on va dire n'importe qui. Il aurait dit, d'accord, je te dis ce que tu veux, laisse-moi vivre. Il a dit, non. Je ne convertis pas à ta religion. Cependant, je te promets que plus jamais je ne tenterai quoi que ce soit contre toi ou que j'aiderai quiconque qui essaye de te nuire. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, tu peux t'en aller. Un tyran, il veut réagir comme ça, billah alaykoum. Quand j'étais à la fac, je faisais un cours d'islamologie. Donc je suivais un cursus de langue, je faisais de l'arabe, et, chose qui m'a troublé, tout cursus linguistique dans lequel tu étudies une langue n'est donné que dans la langue étudiée. Tu fais de l'anglais, tu parles qu'en anglais, en espagnol qu'en espagnol, en russe qu'en russe, sauf l'arabe. Et moi ce qui me perturbait le plus, c'est que lorsque ils étaient amenés à écrire quelque chose au tableau, au lieu d'écrire « Anna », Rajulun, donc Al-Hamza, Nun, Al-Alif, il a akhiri, est écrit Ana, A-N-A, Rajulun, R-A-J-O-U-L. La phonétique. J'avais une prof d'islamologie, c'était une femme, c'était une juive. Ça s'appelait Jacqueline quelque chose, je sais pas quoi. Je passais mon temps à la couper, parce qu'elle disait n'importe quoi. Et tout le temps, une fois parmi les inepties qui sortaient de sa bouche, elle dit que toute personne juive ou chrétienne qui rentrait dans l'islam au départ devait forcément être esclave. Devenait forcément esclave. Même si c'était le plus noble de son peuple auparavant. Alors moi je dis, c'est faux ce que vous dites. C'est faux. Je donne des exemples. Tamim ibn Aws ad-Dari était un chrétien. Abdullah ibn Salam était un juif. Salman al-Farisi était un majous. Comment ? Un perse, Naam, Majous, et d'autres. Et ils ne sont pas devenus des esclaves, bien au contraire, on leur a même donné le commandement dans certaines provinces après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, écoutez, lorsqu'il y aura le partiel, si vous ne mettez pas ce que je vous donne en cours, vous mettrez zéro. Je dis, je vais vous épargner de gaspiller de l'encre, je ne viendrai pas à vos partiels, les examens. Maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez une chose. Comment est-ce que vous pouvez délaisser les références historiques des personnes elles-mêmes concernées pour aller chercher d'autres références de personnes qui n'étaient pas là pour en témoigner? C'est comme si moi,
pour apprendre l'histoire de la France, je vais au Pakistan. Et je demande à des Pakistanais de m'expliquer l'histoire de la France. Je vais les élèves français pour demander aux Pakistanais de m'expliquer l'histoire de la France. Vous voulez connaître l'histoire des musulmans, des arabes, allez voir les arabes musulmans, vous les raconteront mieux que personne. Donc ces gens-là qui viennent nous dire aujourd'hui, ouais, Mahomet, comme il l'appelle, la'natullahi alayhim, il était un tyran. Quand tu leur dis d'où vous trouvez ça, ils te disent, oui, tel écrivain anglais du 17e siècle a fait une thèse dans laquelle il a... Je connais Adak. Ninja Adak. C'est qui celui-là? T'as laissé Ibn Hisham, t'as laissé Ibn Kathir, t'as laissé Ibn Ishaq, t'as laissé Al-Zahabi, t'as laissé Al-Baghdadi, t'as laissé Mu'arrikhu Al-Islam. Les gens qui connaissent le mieux la vie du prophète pour aller voir des anglo-saxons du 18e siècle. Shay ajib hada. Shay ajib hada. Fa'innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, ce sont les cœurs qu'il y a dans les poitrines. Donc il le laisse partir. Et vous savez tous, mes frères, quelle torture ont subi les musulmans lorsqu'ils se trouvaient à la Mecque avant de se rendre à Médine. Le prophète lui-même, alayhi salatu wasalam, a subi de la part de son peuple énormément de torts. Les Quraysh l'ont insulté, ont tenté de le discréditer. Ils l'ont agressé, ainsi que le reste des musulmans. Ils ont même essayé de le tuer avant qu'il ne quitte la Mecque. Et pendant de longues années, il reste à Médine et Allah lui permet de construire son état et de renforcer sa communauté. Jusqu'à ce que 8 ans après, il revienne à la Mecque triomphant et conquérant. Et il dit, toute personne se trouvant chez Abu Sufyan ibn Harb est en sécurité. Et toute personne étant chez lui est en sécurité. Et toute personne se trouvant sur l'enceinte de la mosquée sacrée est en sécurité. Alors le prophète alayhi salat wa sallam avec lui 10 000 personnes se rendent au centre de la Mecque, devant la Kaaba. Et lorsque les gens ont compris qu'ils n'avaient rien à craindre, ils se sont réunis devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors il leur a dit, « Mada tadhunnuna anni fa'ilun bikum ?»« Que pensez-vous que je vais faire de vous ?»« Oh, vous qui m'avez insulté, vous qui m'avez agressé, vous qui avez tenté de m'assassiner. » Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Ils répondirent, Akhun Karim, Ibn Akhin Karim, un frère noble, fils d'un frère noble. Alors il leur a dit, alayhi salatu wassalam, idhhabu fa antumut tulaqa. Partez, vous êtes libres. Vous êtes libres. Des mots qui sortent de la bouche d'une personne qu'on accuse comme étant un esclavagiste, qu'on accuse comme ayant réduit des populations entières à l'esclavage, alors que wallah, huwa alladhi bi'iznillah harrara al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbi al-ibad. Alors que c'est lui, par la grâce d'Allah, qui a libéré les gens de l'adoration des créatures vers l'adoration du Seigneur des créatures, subhanahu wa ta'ala. Idhhabu fa antumut tulaqa. Et des gens avec qui tu te comportes d'une telle façon, quelle va être leur réaction? Des gens sensés, des gens doués d'intelligence, des gens qui rendent le bien par le bien, quand ils voient à quel point cet homme est miséricordieux, à quel point il est plein de compassion et d'indulgence, ils se disent tous quoi, moi je veux être comme lui et je veux être avec lui. Alors ils rentrent dans l'islam. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Et tu vois les gens rentrer dans la religion d'Allah en masse, en groupe. Parce qu'ils voient
que cette religion qu'Allah il a acceptée et agréée pour les gens, c'est la meilleure de toutes celles qui puissent exister. C'est celle qui épanouit l'âme, qui ouvre la poitrine et qui te donne le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Celui qui a accompli des actions vertueuses, qu'il soit un homme ou une femme et qui est croyant, nous lui ferons vivre une vie agréable, une vie bonne, une vie paisible. Et wallah, al-mu'min. Et par Allah, le croyant, wallahi, il vit heureux, quelles que soient les choses qui puissent le toucher. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وما ذاك إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فتجع عليه الصلاة والسلام il y a un étonnement dans l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est pour lui un bien. Tout ce qui lui arrive est pour lui un bien. Mais ceci n'est que pour le croyant. يعني الذي اكتمل إيمانه celui qui a la foi complète et parfaite. Lorsqu'il lui arrive un bien, il est reconnaissant. Alors c'est un bien pour lui. ليش؟ لأن الله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Et lorsque ton Seigneur a proclamé si vous êtes reconnaissant, je vous rajoute. Et regarde, tu n'es reconnaissant que parce qu'Allah t'a fait don de sa faveur et de sa grâce. En te donnant la chose pour laquelle tu es reconnaissant et en t'accordant la réussite pour faire partie des reconnaissants. Sans cela, tu n'aurais pas été parmi les reconnaissants. Et malgré ça, eh ben Allah, il te récompense pour ta reconnaissance. Et il te rajoute encore. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Voici la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut, et certes Allah est celui qui a la grâce infinie. Et lorsqu'il lui arrive un mal, il patiente et c'est un bien pour lui. Il patiente et c'est un bien pour lui. La yatajazza. Il n'est pas là à se plaindre. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi les autres sont tranquilles et moi je suis dans les problèmes? Pourquoi il m'arrive ça qu'à moi? Comme les gens ils peuvent dire ici et là, lorsqu'il leur arrive un petit truc de rien du tout. Et quand tu vois, tu compares les épreuves des gens en fonction du pays dans lequel ils vivent et de l'époque dans laquelle ils se trouvent, tu dis, ah, subhanallah, on ne devrait même pas parler, nous. Toi, tu es chez toi, tu ouvres le robinet, il y a de l'eau froide. Tu ouvres le robinet, il y a de l'eau chaude. Tu ouvres le robinet, il y a du gaz. Tu as un frigo dans lequel tu stockes ta nourriture pour des jours et des jours. T'as un garde-manger dans lequel tu te stockes ta nourriture pour des mois et des mois. Hein? T'as l'épicier à chaque coin de rue. Des supermarchés dans chaque quartier. T'as une voiture, tu t'en as pas. T'as des transports en commun. Et pourtant, malgré tout, le jour où il y a une coupure d'électricité, tu dis, ah, hasra. Et ptoulit. Ça y est, je suis éprouvé. Des fois, t'as des frères, ils viennent te voir, et sème saken, ils font la tête du. Akhi, inshallah, qu'est-ce qui se passe? Akhi, wallah, les épreuves, faut patienter, inshallah. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ils m'ont coupé les allocs pour un mois, mais ils vont me remettre le mois prochain. Ah, c'est ça tes épreuves? On t'a coupé les allocs pendant un mois? Hein? Quand tu dis quoi dans le hadith, alayhi salatu wasalam? Inna izam al jaza ma'a izam al bala. Ou l'axe, inna izam al bala. Non, comme ça. Inna izam al jaza ma'a izam al bala. Kada? Wa inna Allah idha habba qawman ibtalahum. Wa fi riwaya, wa tubtalawna bi qadri imanikum. La grande récompense vient avec la grande épreuve. Et lorsqu'Allah aime un peuple, excusez-moi, je crie. Lorsqu'Allah aime un peuple, il les éprouve. Et dans une version, vous serez éprouvés en fonction de vos foies. Il ouvre le frigo. Oh, il n'y a plus de mayonnaise. Comment je vais faire? Et les épreuves sont plus ou moins différentes. Et après, on est comme ça. Il faut patienter, inshallah. Une fois, je regardais un reportage. C'était en Mauritanie. La Mauritanie qui est collée au Sénégal. Et avec des gens qui vivaient dans un endroit reculé.
ils avaient un puits. Ce puits s'est tari. Plus d'eau, rien du tout. Alors ils ont fait venir un sourcier, pas un sorcier. Un bonhomme qui cherche les sources, les nappes phréatiques. Comme ça, les couches phréatiques. Alors il a trouvé, il a estimé qu'il y avait de l'eau sous la terre à un tel endroit. Ils ont fait venir des foreuses, des grosses machines. Et pendant des jours et des jours, ils ont foré, ils ont foré, ils ont foré. Et tu vois, les gens de ce petit village, ils ont arrêté de vivre. Ils étaient tous autour du trou à attendre qu'une goutte d'eau sorte. Tous. Les jours y passent, le trou devient de plus en plus profond et toujours rien. Alors ils commencent à désespérer. Tu vois les mères qui pleurent, les enfants qui ne jouent plus, qui sont tristes. Et les pères qui commencent à réfléchir où est-ce qu'ils vont aller émigrer. Jusqu'au moment où, boum, une grosse explosion. L'explosion est à une fontaine qui jaillit du sol. Elle arrose tout le monde. C'était l'Eid ce jour-là. Tu vois les enfants se remettre à jouer. Les femmes qui tapent dans leurs mains et qui chantent. Et les hommes qui sont heureux et qui se prennent dans leurs bras. Regardez ça comme ça. Et dans le même angle de vue, avec la télévision, il y avait dans le même angle un robinet qui fuyait. T'as vu quand la goutte elle tombe et tu te fais, oh, allez, quand je me lèverai tout à l'heure, je fermerai le robinet. C'est pas tous dit ça? Il dit, Wallahi, qutila l'insanu ma akfara. Qutila l'insanu ma akfara. Qu'est-ce qu'il est ingrat, l'être humain. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inna l'insana la zaloumun kaffar. Et si vous cherchez à compter les bienfaits d'Allah, vous n'y arriverez pas. L'être humain est certes injuste et très ingrat. Toi, tu ouvres un robinet et t'as des trompes d'eau qui coulent. Tu les laisses, tu ouvres le robinet, tu rencontres ta vie, ouais, ça va, tu vois bien que c'est ta vie, et tout ça, ça va bien, et les litres, ils partent. Pendant que des gens, leur vie, elle s'arrête de couler, de tourner, quand il n'y a plus d'eau. Et il n'y a pas d'eau. Al-Muhim, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a enseigné ce comportement aux gens qui étaient avec lui. Et il a fait preuve de miséricorde envers tous ceux qui l'entouraient. Envers tous ceux qui l'entouraient, les enfants. On a vu le comportement qu'il a eu avec son propre enfant. Ou bien avec ceux de ses enfants, ses petits-fils, Al-Hassan ou Al-Hussein. Ou encore même avec les autres enfants qui n'ont pas de lien familial avec lui. On connaît tous ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kanatil jariyatu ta'khudhu biyadih, fatadhhabu biha haythu sha'at. Bihi haythu sha'at. On connaît tous ce hadith dans lequel le prophète, il nous a dit que il y avait des petites filles qui prenaient le prophète par la main, alayhi salatu wassalam, et qui partaient avec lui en courant, et il les laissait partir, et il les suivait. Toi, tu vois Hitler, toi? Lénine et les autres clochards, excusez-moi le terme. Faire ça? Tu les vois, toi? Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il laissait une petite fille lui attraper la main et courir avec lui et lui la suivait. Si c'est pas une rahma, ça, c'est quoi, Ikhwan? C'est quoi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, mes frères, il avait même de la miséricorde envers des choses inertes, des objets. Vous connaissez tous le hadith dans lequel on nous informe que le prophète alayhi salatu wassalam faisait le sermon du vendredi sur un tronc de palmier. D'accord? Et les Médinois avaient parmi eux un menuisier qui lui a confectionné un minbar, une chaire, dans le même genre que celle-ci, avec des marches. Et ils mirent le tronc du palmier dans un coin de la mosquée et ils installèrent la chaire sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait place afin de faire son sermon. Et pendant le sermon, ils entendent des sanglots ressemblant à des pleurs d'enfants. Ils cherchent et ils trouvent que le son provient du palmier, du tronc du palmier. Alors, le prophète alayhi sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il descend du minbar et il se dirige vers le tronc. Il le prend dans ses bras et le console. Al-Hassan al-Basri, rahmallah, il dit, ne sois pas plus dur que le tronc du palmier. Il gémissait parce que les sermons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui manquaient.
il n'entendait plus la voix du prophète sur lui, alayhi salatu wassalam. Alors il était triste, il sanglotait. Ne sois pas plus dur, n'aie pas le cœur plus dur qu'un morceau de bois. Est-ce que toi, ça t'a déjà manqué d'entendre une exhortation, d'entendre un discours dans lequel réside la vie de ton cœur? Allah dit dans le Coran, après avoir parlé du paradis et de l'enfer, et après nous avoir rappelé que la fin de toute vie c'est forcément la mort et personne n'y échappera, il nous dit inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa ash-shahid. Il y a certes en cela un rappel pour celui qui a un cœur ou qui a tendu l'oreille et est présent. Il est présent. Vous allez me dire, on n'a pas de cœur, tout le monde a des cœurs. Tout le monde a des cœurs, tout le monde tend l'oreille, tout le monde est présent. Mais c'est une présence, entre guillemets, spirituelle qui est demandée. C'est que ton âme profite de ces paroles comme tes oreilles ont pu entendre ces sons. On disait à Shafi'i rahimahullah, qu'est-ce que tu ressens quand tu apprends la science? Il a dit, je ressens une joie telle que j'aimerais tant que tous les membres de mon corps aient des oreilles, comme ça ils comprennent ce que mes oreilles ressentent quand j'entends la science. Imagine-toi. Il avait une joie telle lorsque la science est entrée dans sa tête, qu'il aimerait tant avoir des oreilles dans chacun des membres de son corps, comme ça cette joie est partagée par tout son corps. هذا أو هذه حال من كان قلبه حيا. Voici l'état de celui dont le cœur est vivant. Donc, un morceau de bois. Il est triste de ne plus pouvoir porter le prophète alayhi salatu wassalam pendant qu'il donnait ses discours et ses prêches. Et plus étonnant que ça, parce que c'est étonnant quand même ça déjà, ça arrive pas tous les jours. Eh bien le prophète, il a de la miséricorde envers un morceau de bois. Et il descend, il interrompt son discours pour aller consoler un morceau de bois. Pendant qu'aujourd'hui, les gens qui montent sur les manabir pour faire leur discours sont les premiers à torpiller ceux qui ramènent avec eux des enfants. Hein? Dans combien de mosquées les imams qui entendent des enfants dans la mosquée, ils disent ramenez pas vos enfants à la mosquée, laissez-les chez eux. Après ils sortent un hadith maudou la asla la jannibou masajidakum al majanin wa sibyan. Ils te ramènent un hadith qui n'a aucune origine dans les livres de hadith, qui dit évitez d'emmener dans vos mosquées les fous et les enfants. On dit subhanallah, al Bukhari wa ghayruhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam raccourcissait la prière et l'allégeait alors qu'il avait l'intention de la faire longue quand il entendait les enfants pleurer. Pourquoi? Rahmatan bi ummahatihim. Rahmatan bi ummahatihim. Par miséricorde envers leur mère. Les mères de ces enfants qui pleurent, elles peuvent pas avoir le cœur tranquille. Comment est-ce que tu peux avoir le cœur tranquille alors que tu entends ton enfant pleurer? Alors par miséricorde envers elles, il raccourcissait la prière alors qu'au départ il avait l'intention de la faire longue, la prière. Il n'a pas dit à la fin, bon c'est bon, vos enfants, vous ne les ramenez plus. Abadan. Et même une fois qu'il priait, un enfant est monté sur son dos pendant qu'il était en soujoud. Et il est resté en soujoud jusqu'à ce que l'enfant parte de lui-même. Alayhi salatu wassalam. Hadihi qudwatuk. Aw hada qudwatuk ya akhi. C'est lui, c'est ça ton modèle. C'est ça ton exemple. C'est pas les gens qui sont pas contents quand les enfants viennent à la mosquée. Des enfants, il y en a toujours eu. Qui pleurent dans les mosquées, il y en a toujours eu. Pourquoi avant ils disaient rien et toi tu passes en pas? Pourquoi? Zahma, toi tu t'es plus de rochon dans la prière que les sahaba? Non, je crois pas. Dès qu'un cafard il passe devant toi, tu commences à suer. Tu dis, punaise, il y a un cafard. Est-ce que quand je vais faire ce jeu, il sera encore là? Tu sais pas. Tu te fais des angoisses, t'as peur. Qu'est-ce qui va se passer? Un cafard.
te parle même pas quand il y a un klaxon, une voiture qui passe et qui met un coup de klaxon. Moi, j'ai vu des gens regarder le plafond pendant leur prière, alors qu'ils n'ont jamais pensé à regarder quand ils ne font pas la prière. Qu'est-ce qu'il a le plafond quand il fait la prière? Il change de couleur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens, ils sont omnibulés par le plafond quand ils font la prière? Il est comme ça quand tu pries, il te regarde passer. À droite, à gauche, en haut, en bas. Et c'est lui qui crie après, « Majibou l'nash voulad koum ful masjid »« Hlan salléou »« Natakhasha fi salah » S'il te plaît. Ne ramenez pas vos enfants à la mosquée, nous on prie. Nous on a du khouchou' dans la prière. Ah, subhanallah. La tafdah nafsaka ya abdallah. Ne te donne pas en spectacle aux autres. Alors qu'on sait très bien comment tu fais la prière, on sait très bien. Le Nabi alayhi salam, la rahma envers les enfants, envers leur mère, envers ses frères, envers ses ennemis, envers tout le monde. C'est pour ça que tu comprends mieux le verset où Allah dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde envers tout le monde. Tout le monde. Le pardon, la miséricorde, l'indulgence, la compassion, la patience, la mansuétude, j'en passe et d'autres. Tous ces termes sont des caractéristiques et des qualités de ton prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qu'on a fait pour toi un exemple et un modèle. Où est-ce que tu es par rapport à ça? Où est-ce que tu es par rapport à ça? Toi qui prétends aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, comment se fait-il que tu n'aies jamais pensé à lire un ouvrage complet sur sa vie? Toi qui prétends aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, comment se fait-il que tu ne cherches pas à lui ressembler? Où est ta miséricorde à toi, ya akhi? Elle est où? Ta miséricorde envers tes frères? Elle est où? Ta miséricorde envers tes enfants? Elle est où ta miséricorde envers tes parents? Elle est où ta miséricorde envers ton épouse? Elle est où ta miséricorde envers les non-musulmans? Et on vit parmi eux, mes frères. Est-ce qu'ils peuvent dire, ah, les musulmans, ils sont miséricordieux, par rapport à ce qu'eux, ils voient? Allez leur demander. Des fois, malheureusement, c'est plus chez eux qu'on a voit la miséricorde que chez nous. Plus. Chez certains d'entre eux et chez certains d'entre nous. C'est pas vrai? C'est pas une honte, ça? C'est nous qui devrions être un exemple de miséricorde pour ces gens-là. Et c'est par cette miséricorde-là qui doit s'émaner de nous qu'on doit être des exemples, des modèles et peut-être même des causes pour que les gens rentrent dans l'islam. T'as entendu, toi, un musulman, il y a combien de convertis ici? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui est rentré dans l'islam? Qui est rentré dans l'islam parce que vous avez vu la miséricorde chez des musulmans? Madriana. Madri. Je sais pas. Et on a dit tout à l'heure, parmi les versets qu'on a cités, que les musulmans sont miséricordieux les uns envers les autres. Ruhama ubaynahum. Ruhama ubaynahum. Miséricordieux les uns envers les autres. Est-ce qu'on a cette rahma envers nous-mêmes, qui sommes tous cette communauté, avant de l'avoir envers ceux qui n'en sont pas? Est-ce qu'on a cette miséricorde pour qu'on puisse l'avoir quand on n'est pas un musulman? L'adri, wallah. L'adri. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il passait sa main sur la tête de l'orphelin. Et il s'asseyait avec les pauvres, il mangeait avec eux. Et il répondait à l'invitation de qui que ce soit, même si c'était pour manger des pieds. Kur'in, comme on dit. Hein, des pieds de bête. Là-dedans, il n'y a pas beaucoup de viande. Ou bien pour manger du pain sec. Il venait s'asseyait manger avec toi, le prophète. Aujourd'hui, nous, si t'as pas des bons poulets avec des olives bien vertes, t'invites personne chez toi. Ça, oh là là. Aujourd'hui, les gens vont dire quoi? Non, ça se fait pas. C'est la honte si tu poses ça à un invité. C'est bien d'honorer son invité. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse honneur à son invité.
Mais le problème, c'est que nous, on a mal compris cette parole-là. À un point où on n'invite plus personne. Bon, comme je ne vais pas lui faire honneur, je ne l'invite plus, puis on n'en parle plus. Là, fais-lui honneur en lui donnant ce que tu peux. C'est clair que si toi tu manges de la viande tous les jours et quand il arrive, tu lui fais une omelette, il y a un problème. Voilà, que si toi tu manges des omelettes tous les jours et quand il arrive, tu lui poses une omelette, Allahumma lakal hamd. Et inviter ses frères et leur faire honneur quand on les reçoit chez nous, voilà, et ça fait grandir l'amour entre nous et la miséricorde. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est à... Regardez l'Eid. On égorge nos bêtes, on sacrifie nos moutons, et on a la viande, en veux-tu, en voilà. On remplit le congélateur. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah, on a la viande pour 4-5 mois, là. Ça, oh là là. 4-5 mois, c'est bon, on va me faire des brochettes tous les jours. Et est-ce que tu as pensé à inviter les gens pour manger cette viande avec eux? Comme ils faisaient les gens avant. Wallahi, mes frères, ce genre d'actions qui peuvent paraître simples, elles ont des fruits et des bénéfices. On ne peut même pas les considérer, les imaginer. Inviter son frère, assis-toi, yari. Tiens, bismillah, mange de ce que je mange. Mangeons ensemble. Et reviens quand tu me rahbab et que ma porte elle est toujours ouverte pour toi. T'es mon frère. Dernière histoire, et je m'arrêterai là-dessus. Excusez-moi, je vous ai raconté ma vie aujourd'hui. Hein. J'en fais connaissance, c'est pour ça. Comme ça, il y a l'amour entre nous, on s'aime, Inch'Allah. Ouhib beaucoup fait la yakhwani. Et ouais, j'étais en Égypte. Et donc, on vivait dans un quartier. La ba'asabihi. Bien. C'était après la prière de l'Maghrib. J'étais avec des frères. Donc, tous des Européens, des Français, des Belges. Et il y a un Égyptien qui vient nous voir et qui nous dit des Français? On répond oui. Fait voilà, il y a un Français là. Qui est à la rue avec sa femme et ses enfants et ses bagages, je ne sais pas où elle est. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut l'accueillir? Et là, on a eu un réflexe de français. Parce qu'on a beau être des Africains, des Asiatiques, des Arabes, on est des Français, on est né ici, on est formaté ici. Et ça, on le voit quand on va à l'étranger. Nous, on croit, non, nous les Français, n'est pas comme eux. Smahli. Mais je pense que tu te trompes. On s'est regardé comme ça. ولسان حال احدنا يقول اينا يتكفل به. Et c'est comme si on se disait avec nos regards qui va s'occuper de lui. Alors j'ai eu trois frères qui m'ont dit, on était quatre, c'était moi le quatrième. Ah moi je le prends pas, je le connais pas. Ne prenez pas cette histoire comme étant un moyen de me vanter. Vous allez comprendre la fin de l'histoire, à la fin de l'histoire. Je leur dis, moi je l'aurais bien accepté chez moi, mais j'avais rien. J'avais comme meuble chez moi. Et les frères, certains frères de chez vous, comme Ismaël, ils sont déjà venus chez moi et pourront vous témoigner. J'avais comme meuble un matelas et deux lits pour mes enfants et deux tapis. Je dis, si le frère, il veut bien dormir sur un tapis, rahiboubé, ça ne se fait pas. Et j'aurais des couvertures supplémentaires, je lui aurais donné avec plaisir, je n'avais pas. Et les frères qui étaient avec moi avaient des meubles, des appartements meublés. J'étais chez eux, c'était des châteaux. Je dis non, moi je prends pas, on sait jamais, t'as vu, imagine c'est un fou. Je fais, c'était un petit français converti, tout gentil, tout mignon avec sa femme et ses enfants, des bébés. Alors l'Égyptien, il nous regarde comme ça en train d'hésiter. Et il dit rien et puis il part. Il retourne voir le. Regardez ce qu'il a fait. C'est pour ça que vous comprenez que c'est pas. Il n'y a rien dans ce que j'ai pu dire avec quoi je peux me vanter dedans. Il a été prendre sa famille. Et dormir chez sa sœur, et il a passé les clés de son appartement aux Français. Hein? Et quand j'ai vu cette réaction du frère, j'étais m'excuser auprès du Français, mon compatriote, mon frère, c'est un musulman quand même. J'écoute, Akhi, wallah, je m'excuse, si j'avais de quoi te recevoir, je t'aurais reçu. Il m'a dit, je le comprends parce que je crois que j'aurais fait pire. Je le comprends, mais pour vous dire pourquoi je vous dis tout ça. Parce que les Arabes, pas des musulmans, les Arabes avant l'islam étaient connus pour leur hospitalité. Et ils donnaient l'hospitalité à n'importe qui frappait à leur porte. Ce qu'on appelle le gîte et le couvert. Et ils partageaient avec eux ce qu'ils avaient. Vous connaissez tous ce hadith dans lequel le prophète a reçu
un invité, et la nom d'un compagnon qui s'occupe de mon invité aujourd'hui. Vous connaissez les sahaba radiallahu anhum, ils se battaient pour répondre aux demandes du prophète alayhi wa sallam. Un sahaba dit, moi, Rasulallah, il est chez moi aujourd'hui. Mais il avait rien chez lui. Il avait rien. Il arrive chez lui, il va dire à sa femme, écoute, j'ai l'invité du prophète alayhi wa sallam. Alors occupe-toi de lui, il n'y a pas moyen. Elle dit, mais il n'y a rien. Il y a à peine assez pour une personne. Il a dit, khlas, les enfants ce soir, ils iront dormir sans manger. Mets ce que tu as dans un plat et ramène-le. Et ils lui ont donné. Et ils lui ont donné. Et c'est lui qui a mangé. Pendant que eux se sont privés. Et ils ont privé leurs enfants. Et Allah Ta'ala nazala fihim Qur'an an yutla ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Et Allah a révélé dans cela du Qur'an qui sera récité jusqu'au jour où Allah héritera de cette terre et ce qu'elle contient. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Et ils préfèrent sur eux-mêmes, même s'ils sont touchés par une faim très forte. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et celui qui se préserve de sa propre avarice, ce sont eux les gagnants. Ça c'est l'école de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ceux qui vivent avec la plus miséricordieuse des créatures qui ont pris quelque chose de cette miséricorde et qui à leur tour l'ont donné aux autres. Muhammad Rasulullah Nabiyur Rahma wa arhamu al-khalqi lil-khalqi wa a'lamu al-nasi bil-haqqi. Muhammad alayhi salatu wassalam, le prophète de la miséricorde. Et c'est le plus miséricordieux des gens pour les gens. Et c'est celui qui connaît le plus la vérité. Donc si son chemin il est ainsi, c'est que c'est la vérité qu'il faut suivre. Et c'est cette vérité que tu dois toi t'efforcer d'accomplir et d'appliquer tous les jours. Tous les jours. Hakaza kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que le prophète était alayhi salatu wa sallam, celui dont tu dis tous les jours ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu dis tous les jours j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Prouve-le. Tu dois l'aimer pour avoir la foi complète. Prouve-le. Tu as en lui un excellent exemple et modèle. Alors, prouve-nous que tu le suis. هذا فيض من غيظ وقطرة من بحر. Ça c'est juste un petit aperçu de cette qualité qui était celle du prophète alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, même si on parlait des jours et des jours, on n'aurait pas donné son haq au prophète alayhi salatu wassalam. ولكن نسأل الله أن يعيننا على أن نكون رحماء فيما بيننا. Demande Allah, il nous aide à ce qu'on soit miséricordieux les uns envers les autres. Et n'oubliez pas, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Les tout miséricordieux, enfin les miséricordieux, pardon, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Donc si tu veux qu'Allah te fasse miséricorde, toi qui dis tout le temps dans ta prière, ya Rabbi Rahman, tu dis pas ça dans ta prière. Tu veux la Rahman d'Allah Azza wa Jal? Eh bien, sois toi aussi Rahim avec les autres. Et tu verras qu'Allah Ta'ala te fera miséricorde. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين.